Boum, nouveau son, nouveau fond, et même cette gueule. Ouais, bah on peut pas tout améliorer en l'espace d'une vidéo, hein. Ah, et aujourd'hui, on va parler de Civil War. Avant de commencer à parler du film en lui-même, je pense qu'il est nécessaire d'éclaircir 2-3 points avant ça. Notamment mon rapport par rapport aux comics. Sachez que je ne suis pas un gros connaisseur de comics. Je connais les origin story de certains personnages, mais pas plus. Je ne connaissais pas Civil War et j'ai fait le choix de ne pas me renseigner. Je voulais laisser toutes les chances au film de me surprendre, même si apparemment le film ne suit que très peu le comics, hein, ils ont pris beaucoup de liberté, et dans un sens c'est pas plus mal. Je voulais vraiment laisser au film toutes ces chances de me surprendre, donc voilà. Là on va parler des films et du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Pas des comics, je veux pas savoir comment ça se passe dans les comics, ce qui m'intéresse c'est l'univers que Marvel a créé au cinéma. Donc puisqu'il y a beaucoup de différences entre les comics et le cinéma, c'est pas la peine de me dire c'est comme ça dans le comics, là ce qui nous intéresse c'est les films. En ce qui concerne le MCU, désormais j'ai beaucoup aimé la phase 1, beaucoup moins la phase 2 qui pour moi était remplie de standalone et de suite qui n'apportait pas grand chose à cette saga, qui ne l'enrichissait pas. Tout n'est pas acheté cependant, je pense que si je devais garder deux films de la phase 2, ça serait clairement Les Gardiens de la Galaxie, qui apportait un côté frais, et Avengers 2, qui même s'il est beaucoup moins bon que le premier, reste un bon film selon moi, je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé. La phase 2 c'était vraiment enlisé dans des films sans enjeu, où finalement il y avait assez peu de liens d'un film à l'autre, alors que c'est censé faire partie d'une seule et unique saga. En fait les seuls liens entre les films généralement c'était les 5 dernières minutes où on nous claquait un artefact qui allait servir pour les films suivants. Mais globalement, il n'y avait pas de lien entre les films, et c'est un peu dommage. La phase 1 avait plutôt réussi ce côté-là, et là, c'est vrai que la phase 2, bof. Franchement, la phase 2 est vraiment bof. Elle n'est pas à chier, elle n'est pas vraiment mauvaise, c'est juste des films divertissants. Mais ils se contentent d'être divertissants. Contrairement à la phase 1, qui était un peu plus poussée, je dirais. Et enfin, pour finir, mes attentes pour ce Civil War, alors qui sont relativement simples. Je souhaitais que, étant donné que Civil War est un pan assez important de l'histoire de Marvel, qu'il y ait un avant et un après Civil War, que Civil War ait vraiment un impact sur le reste de la saga Marvel. Si c'est juste un événement, un gros événement certes, mais un gros événement, et qu'ensuite bah, ça n'a pas de répercussions, je trouve pas ça intéressant. Deuxièmement, toute la promo du film s'est basée sur le fait qu'on puisse choisir entre Team Captain America et Team Iron Man. Je voulais vraiment que le film nous laisse le choix, puisque si on nous dit choisissez Team Iron Man ou Team Captain America et qu'au final dans le film l'un des deux personnages est filmé comme le méchant, ça n'avait pas d'intérêt. Vraiment ce que je voulais voir c'était qu'on quitte un peu le schéma linéaire des films de super-héros où il y a un héros, un méchant, ils s'affrontent et basta. Là c'était plus ce que je voulais voir, c'était il n'y a pas de méchant, c'est juste des divergences d'opinion qui font qu'il y a conflit et voilà. Donc on va voir tout de suite si ça a été bien fait. Et en dernière attente, je dirais que un peu plus d'enjeux, puisque c'est vrai que Marvel c'était vraiment pas cassé la tête pour la phase 2 honnêtement. Les films restaient divertissants, efficaces, mais quand on passe de la phase 1 à la phase 2, bah, il manque quelque chose quoi, clairement il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite. Donc après avoir été voir le film, j'ai été sur internet pour un peu regarder tous les avis qui ont été donnés. Et en fait, il y a beaucoup d'avis qui sont totalement opposés. Certains trouvent que l'action est très lisible, d'autres trouvent que justement c'est l'un des points faibles du film, qu'il y ait trop de shaky cam. Donc la shaky cam, c'est vous filmer et vous donner un petit mouvement de tremblement à la caméra pour donner à l'action un côté plus dynamique. Il y en a qui trouvent qu'il y a de bons enjeux, il y en a qui trouvent vraiment qu'il y a justement le manque d'enjeux est l'un des problèmes de ce film. Il y a vraiment tous les avis possibles, le film, j'ai l'impression, divise pas mal. Alors globalement, il est très bien reçu. J'ai pas encore vu de personnes qui pensent que ce film est nul, mais les avis sont totalement différents d'une vidéo à une autre. Donc gardez en tête que quand vous regardez une critique cinéma, c'est l'avis de la personne qui fait la critique, et la personne n'a pas la science infuse, n'a pas la vérité absolue. C'est juste son avis. Si vous voulez vous faire votre propre avis, le meilleur moyen, c'est d'aller voir le film. Donc niveau réalisation, le film est réalisé par Joe et Anthony Russo qui avaient déjà réalisé Captain America Winter Soldier et qui apparemment sont pressentis pour réaliser Avengers Infinity War. Je ne connais pas ces réalisateurs en dehors des films Marvel, donc c'est un peu compliqué de juger leur travail. Pour ce qui est de la réalisation des combats, puisqu'apparemment il y en a beaucoup qui leur reprochent ça, d'avoir une lecture assez peu visible,
Et ben moi j'ai eu aucun souci en fait, j'ai absolument compris tous les combats. Après je suis ce genre de personne qui n'a aucun problème avec la shaky cam. Je n'ai jamais compris les personnes qui se plaignent que l'action de Transformers est illisible, alors que j'ai toujours tout compris. La seule fois où je me suis perdu au cinéma dans une action, c'était dans une scène de course-poursuite dans Tekken 3, qui était vraiment pour le coup illisible. Mais là, oui, c'est de l'action hyper-cut, parce que bah, c'est la norme maintenant des films d'action blockbuster de ce type-là. Il y a beaucoup de cuts, certes, c'est très dynamique, mais pour moi, ça reste absolument lisible. On comprend toutes les actions qui s'y passent. Je n'ai pas eu de soucis au niveau de la lisibilité de l'action. Donc, comme je l'ai dit, je ne connais pas vraiment ces acteurs en dehors des films Marvel. Si je devais qualifier leur réalisation, je dirais efficace, comme un peu tous les films Marvel. En fait, la réalisation n'est pas mauvaise. Clairement, ça serait chier dans la soupe, c'est absolument pas l'expression, mais tant pis, de dire que la réalisation est mauvaise. Je dirais juste qu'elle manque de personnalité, peut-être, simplement parce que je pense que Marvel établit un cahier des charges bien spécifique et qu'ils sont obligés de suivre ce cahier des charges. Alors, on est loin de films comme Thor 2 qui vraiment, là, c'était vraiment le film de Yes Man. Vraiment, enfin, il n'y avait aucun parti pris dans Thor 2. Là, il y a quand même un peu plus de parti pris. Mais voilà, la réalisation est très bonne, mais je la qualifierais d'efficace. Elle va pas non plus vous scotcher. Elle est bonne, voilà, elle est bonne, efficace, mais pas plus poussée que ça, quoi. Au niveau des acteurs, donc, il y en a énormément. Je vais pas tous vous les citer parce que c'est plus un casting, c'est une liste de mariage, leur truc, là. Mais on va citer les plus connus, Chris Evans dans le rôle de Captain America, Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, Scarlett Johansson, j'ai oublié les autres. Enfin vraiment, le truc que je n'ai jamais pu reprocher au Marvel, c'est les acteurs qui sont tous très bons, vraiment. Même Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, j'avais des doutes. J'ai toujours un peu de doutes, mais les doutes ne sont pas liés à l'acteur, si vous voulez. L'acteur est vraiment bon. Tous les acteurs, il n'y a pas un moment où j'ai trouvé un jeu d'acteur un peu en deçà des autres. L'acteur qui fait Black Panther est très bon. Vraiment, au niveau des acteurs, c'est bien dirigé. Clairement, il y a une bonne direction d'acteur, ça se voit. Rien à dire là-dessus, vraiment, nickel. En ce qui concerne le pitch du film, comme d'habitude, je vais faire un très rapide résumé. Captain America et certains Avengers partent en mission. Ça se passe très mal, de nombreux civils sont tués. Du coup, suite à cet accident, les gouvernements veulent encadrer les Avengers en leur faisant signer le traité de Sokovie. Donc, Iron Man et certains Avengers sont d'accord pour signer ce traité, et Captain America et d'autres Avengers ne sont pas d'accord. Donc, il y a déjà un premier conflit, une divergence d'opinion sur ça. Mais c'est pas vraiment ce qui met le feu aux poudres. Ce qui met le feu aux poudres, c'est que lors de la signature du traité de Sokovie, il y a un attentat. Qui fait de nombreuses victimes, dont le roi de Yamako. Sur l'attentat, on reconnaît très bien Bucky, alias le soldat de l'hiver. A partir de là, va s'engager une chasse à l'homme pour Iron Man et une tentative de sauvetage de son ami pour Captain America. Les deux objectifs sont totalement opposés et c'est là vraiment que le conflit se crée. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, je tenais à dire que j'ai beaucoup aimé ce film, qui pour moi dépasse tout ce qui a été fait lors de la phase 2. Il y a un côté un peu plus adulte. Alors, ça reste tout public, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des débordements, du sang ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup mieux que la phase 2 quand même, qui pour moi la phase 2 c'était reposer vraiment sur ses lauriers. La phase 2 n'avait rien osé vraiment, si ce n'est Avengers 2 et encore, c'était pas ouf. Là, on voit qu'il y a un peu plus de sérieux sur ce film. Ça n'a pas été fait à la va-vite, qu'on ne vous a pas balancé ça comme ça parce qu'il fallait un Marvel ce mois-ci. Donc ça vraiment c'était très appréciable. Le film a pas mal de défauts, certes, hein, c'est pas le film de super-héros ultime, c'est pas le meilleur Marvel non plus, mais comparé à ce qui avait été fait dans la phase 2, j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que quand je suis sorti de la salle de ciné, ben, j'avais kiffé, vraiment, j'ai vraiment aimé ce film. Donc on va voir plus en détail pourquoi et les petits problèmes aussi. Au niveau des défauts, donc on va commencer par les défauts pour terminer sur les qualités, pour terminer sur une note positive, puisque le film est bon, hein, je le rappelle. Au niveau des défauts, je dirais dans l'intrigue, puisqu'il y a deux motifs de conflit entre Iron Man et Captain America, qui sont les traités de Sokovie et Bucky. Et finalement, les traités de Sokovie, on les laisse un peu de côté en fait. On en parle pas mal au début du film, et à partir du moment où arrive Bucky et la nécessité de l'arrêter, et ben on laisse totalement de côté les traités de Sokovie, et Bucky devient l'élément central du film. Et c'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait dû être l'inverse en fait.
Pour moi, les traités de Sokovie sont quelque chose de beaucoup plus fédérateur que Bucky. Bucky, finalement, il n'y a que Captain America qui a vraiment des liens avec lui. Les autres s'en fichent un peu. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que cet aspect est un peu négligé. C'est-à-dire que vraiment, les traités de Sokovie, on vous en parle au début. Et suite à l'attentat, vraiment, c'est limite si on vous en parle plus du tout. Et à la fin, on parle absolument pas des traités de Sokovie. Alors, je ferai une zone spoiler, vous inquiétez pas, là je vais pas spoil, il y aura une petite zone spoiler, vous serez prévenu, et on pourra parler un peu plus de certains défauts qui nécessitent un spoil. Mais ça vraiment, oui, c'est un petit problème scénaristique, je trouve, de baser tout le conflit de ces personnes-là sur une amitié. Parce que finalement, ça se remarque dans le fait que le vrai conflit est entre Captain America et Iron Man, et entre Black Panther et Bucky. Et encore, c'est surtout Black Panther qui veut tuer Bucky. Bucky, lui, sait très bien qu'il il a rien contre Black Panther, spécialement. Et les autres, ils n'ont pas vraiment de raison de se battre. Et ça se voit beaucoup dans la scène qu'on voit dans la bande-annonce. Ils s'affrontent sur un aéroport. Ils n'ont pas envie de se battre. Vraiment, ils n'ont pas de bonnes raisons. Alors, en plus, il y en a qui sont totalement externes au problème. Notamment Ant-Man, qu'on vient dépêcher comme ça, et Spider-Man. Voilà, on les a appelés parce qu'il fallait certainement renforcer les rangs de super-héros, mais ils n'ont pas vraiment de motif de se battre, en fait. Surtout que Ant-Man, limite, on lui dit « Bah écoute, Iron Man, c'est un gentil, mais il faut taper dessus. » Et il pose pas de questions, il fait « Ok. » C'est un petit problème, alors que j'aurais beaucoup plus compris cet aspect-là si, finalement, les traités de Sokovie étaient beaucoup plus mis en avant. C'est pas énorme comme défaut. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu bancal de baser tout ce conflit sur une amitié. C'est un choix, mais c'est pas le meilleur selon moi. Alors après, au niveau des petits défauts, alors c'est plus personnel qu'autre chose, vous ne verrez pas spécialement ça comme un défaut, mais pour ce qui est des personnages, on va dire, rapportés de l'univers Marvel, qui n'étaient pas déjà présents dans les autres, à part Black Panther, je trouve que Ant-Man et Spider-Man trouvent pas spécialement leur place. Spider-Man, ça va encore, mais alors Ant-Man, j'ai pas aimé le film Ant-Man, d'accord, ça c'est un fait. Dans Civil War, il a de bien meilleures scènes que dans son propre film, ça c'est clair et net, les scènes avec Ant-Man sont vraiment cool, mais quand j'avais vu le film Ant-Man, j'avais pas aimé et je comprenais pas pourquoi ça sortait après Avengers 2. Terminer une phase par un stand-alone comme ça, ça avait pas de sens, et je me suis dit, la seule raison valable, c'est qu'il ait vraiment une importance dans Civil War. Et non. Non, du tout, en fait. Il a autant d'importance que Spider-Man, qui, en fait, n'est là que pour combattre. Il a peut-être, je sais pas, 20 minutes de film, et encore 20 minutes, c'est peut-être beaucoup. Il ne sert à rien. C'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, il n'y avait aucun intérêt à faire un film avant Civil War. Le film aurait très bien pu sortir après. Je comprends pas trop pourquoi, finalement, un film sur Ant-Man et pas pour Black Panther. En tout cas, avant Civil War. Je sais qu'un film pour Black Panther est prévu. Mais pourquoi avoir fait un film avant sur Ant-Man et pas sur Black Panther? Spider-Man, je peux comprendre, il y avait une histoire de droits, comme quoi c'était Sony qui avait les droits, mais pourquoi en fait? Je comprends vraiment pas du coup l'intérêt du film Ant-Man. Je suis désolé pour ceux qui l'ont aimé, le film reste un bon divertissement, mais il n'a pas sa place dans le MCU, je suis désolé. Ant-Man ne fait pas avancer l'intrigue de Civil War, mais pas du tout. Je pensais qu'il aurait un certain côté important. Non, il est juste là pour se bastonner pendant la scène de l'aéroport, et c'est tout. Et balancer quelques vannes alors. Ça, c'est un côté que je suis pas méga fan, c'est-à-dire que c'est simple en fait, chaque team a son petit comique. Pour Iron Man, c'est Spider-Man, et pour Captain America, c'est Ant-Man. Ils se balancent, tous les personnages se balancent un peu des punchlines à droite à gauche, mais vraiment, ces deux persos-là, c'est des petits comiques, c'est les personnages qui sont là pour faire rire. Ça passe pour Spider-Man parce que c'est le Spider-Man que j'aime. On va revenir un peu sur Spider-Man après, puisque c'est quand même le troisième Spider-Man en 10 ans qu'on nous propose. Donc on va revenir un peu sur lui, mais sur Ant-Man, j'y arrive pas. J'espère que... Je pense qu'il y aura un Ant-Man 2, et j'espère que le film sera meilleur, qui me fera aimer Ant-Man, mais pour l'instant ça bloque avec ce personnage. Pourtant, je vous le dis, hein, les scènes qui mettent en scène... les scènes où Ant-Man se bat, c'est vraiment de belles scènes. Je trouve que ses capacités sont bien mieux exploitées que dans son film. Mais je comprends pas du tout l'intérêt du film Ant-Man. Bref, ça c'est pour Ant-Man. Voilà, c'est un petit défaut, c'est vraiment pas grand chose. C'est juste que manque de profondeur de certains personnages.
C'était un peu obligé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà beaucoup réduit le nombre de héros qui participent à Civil War, parce qu'à la base c'est énorme. Soit on m'a toujours dit que Civil War en film, tel quel, c'était pas adaptable. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là, en gros, c'est du 6 contre 6, hein, il me semble. Donc ça fait déjà beaucoup pour un film, même si le film dure 2h30, si 12 personnages en tout, dont 3 nouveaux, 4 si on compte Vision qui n'avait pas vraiment connu de développement dans Avengers 2. Ça fait beaucoup. Donc forcément, ça ne tourne pas autour d'Ant-Man ni de Spider-Man. Je peux comprendre qu'il ne soit pas plus développé que ça, mais du coup, je ne comprends pas la présence du film Ant-Man. En ce qui concerne Spider-Man, c'est un peu particulier. Le personnage est très très jeune. Je pense qu'il a 17 ans, pas plus. Et c'est un peu un mélange entre celui de Sam Raimi et celui de Mark Webb. C'est-à-dire qu'on a le côté très niais quand il est Peter Parker, mais qui cette fois s'explique par le fait qu'il soit jeune, vraiment. Enfin, il est très jeune, et pour le coup, le côté niais passe mieux que dans ceux de Sam Raimi, je trouve, personnellement. Et quand il est Spider-Man, il y a le côté blagueur, se fout toujours de la tronche de son ennemi, un peu curieux, qu'on trouvait dans le Spider-Man de Mark Webb. Je dirais que je suis pas méga fan de la phase Peter Parker, mais beaucoup plus de celle de Spider-Man. Après, c'est à prendre avec des pincettes, parce que finalement, pour le peu qu'on l'a vu, c'est difficile de juger le personnage. Il va avoir son propre film, apparemment avec Iron Man. Je vais attendre le film parce que concrètement, moi je trouve ça stupide, les personnes qui sont déjà en mode c'est le meilleur Spider-Man qu'on ait vu, on l'a vu 20 minutes, c'est-à-dire que faire un bon personnage pour 20 minutes c'est pas trop problématique. Son jeune âge me choque un peu, c'est surtout que ça contraste beaucoup avec les restes des Avengers, et il y a un truc qui colle pas là-dessus, c'est que on nous propose, enfin on nous montre un Spider-Man très jeune, qui apparemment vient juste de commencer d'être Spider-Man. Hein. Je pense qu'il a commencé depuis 6 mois, il est Spider-Man depuis 6 mois, puisque sa tenue n'est pas vraiment au point. C'est-à-dire qu'il a des sortes de grosses lunettes qui le protègent. Enfin vraiment, on voit que c'est une ébauche, hein. C'est la première version du costume. D'ailleurs, Iron Man va améliorer ça. Et à côté de ça, il a aucun souci pour se débarrasser d'Avengers qui sont plus entraînés, plus âgés, donc qui ont beaucoup plus d'expérience que lui en fait. Il se débarrasse de Faucon, de Bucky, de Captain America, enfin... Il arrive très bien à rivaliser et... Oui, c'est Spider-Man, oui, il est très fort, je dis pas... C'est pas ça le problème, c'est que... Il a 17 ans, il découvre, on va dire, ses pouvoirs, on va dire que ça fait 6-7 mois qu'il a ses pouvoirs. C'est quand même chaud qu'il arrive à mettre à terre Captain America, qui a plus de 100 ans, et... Je sais pas si vous comprenez, mais... Il y a un truc qui colle pas là-dessus, c'est-à-dire que entre sa personnalité très niée, très j'aime découvrir des choses et tout, il arrête pas de parler pendant le combat. Ça en est marrant, hein. Même les personnages font la remarque, il arrête pas de parler, genre quand Captain America utilise son bouclier, il lui dit mais ce bouclier défie toutes les lois de la physique et tout. Enfin, que des trucs comme ça. Mais à côté de ça, on a l'impression que niveau combat, c'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, et du coup il y a peut-être un petit contraste entre ça. C'est du chipotage, c'est absolument pas grave, c'est juste que en termes d'écriture du personnage, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Autre chose sur Spider-Man, alors qui n'a aucun intérêt j'imagine pour la plupart d'entre vous, mais c'est Tante May. Je souhaitais en parler parce que ça m'a un peu choqué, c'est-à-dire que quand on nous a montré cette personne, on m'a dit c'est Tante May. J'ai eu un petit blocage. Alors, il y a peut-être une version qui ressemble à ça dans les comics, j'en sais rien, mais pour moi Tante May c'est une personne assez âgée, je dirais entre 55-60 ans, 65 ans. Et finalement, c'est un peu le Alfred de Batman. Elle est là pour donner des conseils plein de sagesse à Spider-Man. Et là, bah là, c'est limite une bonasse. C'est-à-dire que je serais pas choqué de la voir dans la catégorie MILF de YouPorn. Vraiment, c'est très bizarre, c'est très déstabilisant de voir une tempête pareille. Ça change, je dis pas, j'ai rien contre le changement, mais c'est vrai que c'est pas la tempête que je m'attendais à voir, vraiment. C'est-à-dire que je la vois pas trop donner des conseils plein de sagesse à Peter, mais plus aller draguer sur Tinder, vraiment, hein, c'est très bizarre comme vision de la Tante May, mais on verra dans le film, ça serait certainement un peu plus développé. Voilà, ça n'a vraiment aucun intérêt pour le film, mais voilà, je sais pas, ceux qui ont vu le film, si vous avez un peu choqué aussi sur ça, moi c'est un truc qui m'a pas dérangé, parce que c'est rien, franchement, c'est vraiment pas grand chose, mais j'ai fait ça, c'est Tante May ça, d'accord. Pourquoi pas. Alors au niveau des petits défauts qui m'ont un peu dérangé. Je sais que des gens ont beaucoup aimé ce principe, mais alors, c'est un Marvel où on voyage énormément, vraiment. On fait 5, 6, 7 pays différents. Et à chaque fois qu'on change de destination, le titre est écrit en grand.
pas en grand, en immense, c'est-à-dire que c'est écrit sur tout l'écran. Alors je sais que je suis malvoyant, peut-être que quelqu'un a prévenu le réalisateur que j'étais malvoyant, que je n'avais pas les sous-titres, et du coup j'ai dit oh putain Roger, mets-moi ça en grand. Mais là c'est un peu abusé, c'est-à-dire que ça prenait tout l'écran de cinéma, et c'est le genre d'inscription qui moi me sort un petit peu du film. C'est vraiment pas dramatique, mais je sais que certains ont aimé ça, moi beaucoup moins. Clairement j'ai trouvé que ça, c'était un peu une faute de goût, mais après la vie, bon voilà, les goûts et les couleurs ça se discute pas. Pour les autres petits défauts, on verra ça dans un spoiler parce que ça nécessite un peu de spoil. Par contre, pour ce qui est des bonnes choses, je dirais que le film a un côté plus adulte. Alors, ça reste au public comme je l'ai dit, mais disons qu'on apprend un peu l'impact qu'ont les Avengers sur le reste du monde. C'est-à-dire que jusque-là, c'est vrai qu'on les voyait se battre, ils gagnaient, tout le monde était content, happy end. Sauf que tout autour, c'est des villes, ils se battent dans des villes peuplées de civils, on se doute bien théoriquement que il y a des dommages collatéraux, et là on met enfin en lumière les dommages collatéraux. On parle d'Avengers 1, de Avengers 2, la Sokovie est vraiment un élément clé de ce film d'ailleurs. On apprend qu'il y a des milliers de victimes. Au tout début du film, après un discours de Tony Stark, il y a une femme qui vient le voir et qui parle de son fils. Alors ça bousille totalement Tony Stark, c'est même pour ça qu'il accepte de signer ce traité. On a un Tony Stark plus affaibli que jamais, je trouve, encore plus que dans le 3. Tony Stark, pour moi, c'est un des persos les plus intéressants. Il a cette allure de beau gosse qui a une très bonne répartie, mais à côté de ça, il a des zones d'ombre qu'on a commencé à avoir depuis Avengers 1, en fait. Depuis qu'il est passé dans l'autre dimension pour envoyer cette bombe sur les extraterrestres, il a changé. S'en est suivi Iron Man 3, où vraiment c'était la grosse déprime, on va dire. Avengers 2, où finalement la peur de ne pas pouvoir agir l'avait poussé à créer Ultron. Et là, on voit encore un Tony Stark qui n'assume peut-être pas vraiment le fait d'être la cause d'autant de victimes civiles. Donc vraiment, ça c'est un côté que j'aime bien, parce que jusque-là, il n'y avait pas ce côté adulte. C'était vraiment un combat, le méchant est vaincu et happy end. Et là, enfin, on nous montre que, bah oui, ok, happy end parce que le monde est sauvé, mais il y a beaucoup de vies détruites. Et ça, c'est un côté que j'aime bien parce que, je sais pas, on montre une petite zone d'ombre des Avengers qu'on ne montrait pas avant. Pour continuer sur les bons points, eh bien, une de mes attentes a totalement été respectée puisqu'on peut vraiment choisir son camp. Il n'y a aucun camp qui est filmé comme le méchant. On ne filme pas Iron Man comme l'antagoniste ou Captain America. Non, non, vraiment, c'est simplement deux camps qui ont des avis opposés et qui du coup, bah, ça crée un conflit. Mais aucun des deux camps n'est filmé comme l'antagoniste du film. Et c'est ça que j'aime. D'ailleurs, le fait que beaucoup de gens à la fin du film ne sont pas d'accord sur qui a eu raison d'agir comme ça, que ce soit Iron Man ou Captain America, prouve que le film a réussi, puisque clairement, si pour moi, à la fin du film, on aurait clairement pu établir que Iron Man était le méchant, qu'il avait tort sur toute la ligne, le film pour moi aurait échoué. Vraiment. Pour moi, le but de ce film, c'était de présenter deux personnages qui ne sont pas des antagonistes et de les voir s'affronter simplement pour des idéaux différents. Si le film avait transformé l'un de ces personnages en antagoniste, donc prendre un gentil pour faire un antagoniste, pour moi, ça ne sert strictement à rien, autant prendre un méchant de base. Et là, le film a plutôt bien géré son coup, je trouve. On peut comprendre les intérêts de tout le monde. Captain America, bien évidemment. Je dirais qu'en fait, Iron Man a plus de chances de fédérer le public que Captain America, puisque les motifs de Captain America sont plus intimistes en fait. C'est son meilleur ami, voilà, il tient beaucoup à lui, c'est voilà. Bucky, c'est quelqu'un de très important pour lui, mais finalement pour le spectateur, Bucky, on l'a vu un peu dans Captain America, on l'a vu un peu dans Winter Soldier, mais finalement pas tant que ça. Bon, pour le spectateur, Bucky c'est pas... Il n'est pas spécialement dans le cœur des spectateurs. Iron Man est beaucoup plus dans le cœur des spectateurs que Bucky. Et alors qu'Iron Man, je pense que tout le monde peut comprendre ses raisons. Enfin, il est bouffé par le fait que chaque action des Avengers provoque des dommages collatéraux. Il sait très bien qu'il a retiré la vie à des civils. Le fait qu'une mère la mère d'un enfant qui a été victime justement des Avengers est venue le voir en personne, ça l'a vraiment totalement bouleversé. En plus de ça, alors ça je pense pas que c'était vraiment nécessaire, mais au tout début du film on apprend qu'il n'est plus avec Pepper. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que clairement, je vois pas en quoi c'est nécessaire, clairement. Parce qu'il a suffisamment de motifs pour sombrer
sans qu'on lui rajoute une défaite amoureuse. Enfin, clairement, j'ai pas trouvé, surtout que c'est vraiment survolé, donc ça c'est vraiment le truc pour moi qui n'était pas nécessaire. C'est pas un défaut, mais c'était pas nécessaire. Mais voilà, pour moi, on comprend beaucoup plus facilement les intentions d'Iron Man. Après, il faut garder en tête qu'Iron Man, il a un bon fond, mais il a déjà fait pas mal de conneries. Ultron, c'est lui. Donc on peut dire, entre guillemets, que la Sokovie, c'est à cause de lui. Donc voilà, les deux camps se valent, selon moi. Je pense juste qu'on peut plus facilement comprendre le camp d'Iron Man. Mais en tout cas, le film a totalement réussi ce côté, il n'y a pas de bon camp. C'est juste, c'est pas blanc et noir, c'est des nuances de gris. Et ça, c'est réussi. Un autre bon point du film, c'est la chorégraphie des combats. J'ai toujours beaucoup aimé ce côté dans les Avengers, ce côté combo. Là, l'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est dans Civil War, Ant-Man qui devient tout petit, qui se pose sur la flèche d'Hawkeye. Hawkeye tire la flèche pour l'envoyer sur Iron Man. Il y a toujours eu des trucs comme ça dans Avengers. On se souvient dans Avengers 1, toute la scène en plan séquence qui filmait les Avengers un à un, enfin vraiment entre Hulk et Thor, il y avait une sorte de combo. C'était vraiment bien fait, et là c'est pareil, on retrouve ça mais en x2, parce qu'il y a tellement plus de héros, il y a tellement plus de possibilités nouvelles que bah, ça donne vraiment des trucs sympas. Le combat de l'airfield, de l'aéroport, est vraiment bon. Tous les héros font des trucs stylés, même Ant-Man, à la base je suis pas spécialement pour Ant-Man, mais les scènes de Ant-Man sont stylées. C'est limite, si il avait eu ces scènes-là dans son film, ça m'aurait peut-être fait plus aimer Ant-Man, quoi. Spider-Man a de très bonnes scènes, il n'y a pas un personnage qui est un peu en deçà, en fait, là-dessus. Du coup, ça peut peut-être mener à regretter un peu cette scène de l'aéroport, bah, en fait, le lieu, parce que c'est vrai qu'un aéroport évacué, il n'y a plus épique comme lieu de combat, c'est vrai que, bon, c'est vide, en fait, c'est peut-être un peu dommage, je pense qu'il y avait d'autres lieux plus appropriés, mais bon, c'est du chipotage, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est peut-être le petit truc qui cloche dans la scène. Mais vraiment, au niveau des combats, alors après je sais que c'est... Il y en a qui pensent totalement l'inverse, hein. Pour eux les combats c'est limite l'aspect négatif du film où c'est illisible. Moi j'ai absolument pas ce problème, donc bah, j'ai adoré les combats qui sont très bien faits. Un autre petit aspect que j'ai apprécié, je trouve que les films Marvel, hormis Iron Man, les films Iron Man et Avengers, n'ont pas vraiment de thèmes musicaux à eux. C'est-à-dire que si je vous parle d'Iron Man, vous allez penser à sa musique, si je vous... dit Avengers, vous avez le thème des Avengers en tête. Mais si je vous dis Thor, si je vous dis Ant-Man, il n'y a rien qui vient. Je pense pas que les musiques soient spécialement mauvaises, je pense juste qu'elles sont beaucoup trop discrètes et pas mises au bon moment. Là, alors, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que si vous me demandez le thème de Civil War, rien, j'ai pas l'air qui me vient en tête ou quoi que ce soit. Par contre, il y a certains moments où j'ai repéré une ou deux musiques qui me plaisaient. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musiques dans les films. C'est un peu mon point faible, c'est-à-dire qu'un film peut être bof, si l'ambiance musicale est géniale, je vais adorer le film. Et là, chose qui m'était jamais arrivée dans un Marvel, quand j'ai entendu certains passages en musique, j'ai fait c'est intéressant. Je sais pas qui a composé la musique, mais alors ça reste bien, on est loin de par exemple de X-Men ou même Man of Steel qui avait un thème vraiment percutant et qui est resté en tête, mais encore une fois, si on compare à la phase 2, il y a clairement une amélioration de ce côté-là aussi. Légère, mais c'est toujours mieux que la phase 2. Là, pour développer certains éléments du film, je vais devoir spoiler, donc je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu le film et qui veulent se garder la surprise, d'aller à la durée indiquée ici, parce que là, je vais spoiler sévère. Et si tu pouvais te dépêcher, ça m'arrangerait, parce que c'est pas très confortable, là. Bon, au niveau de ce qui ne va pas et qui nécessite d'être spoilé, ça, c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Parce qu'on est quand même au 13e film Marvel, vers la fin du film, on apprend que Bucky est le responsable de la mort des parents de Stark. Ok. Iron Man demande alors à Captain America si lui était au courant, et Captain America dit oui. Et là, au moment du film, je fais quoi ? Attends, comment t'es au courant, toi ? Et effectivement, une fois rentré, j'ai regardé un peu les avis, et en fait, c'est dans Captain America Winter Soldier, où Captain America, à un moment, se retrouve dans un bunker avec une sorte de projection du Dr. Zola, et il a alors tous les dossiers d'Hydra à disposition, et dans les dossiers d'Hydra, il y a forcément l'assassinat de Howard Stark. Ça, apparemment, c'est la réponse la plus logique. Le problème que ça pose, c'est que finalement, si t'as pas vu tous les films, bah tu peux pas tout comprendre. Il y a des aspects qui vont t'échapper. Et c'est un peu problématique, ce qui me pose problème avec le MCU, c'est qu'il faut
pour avoir une compréhension totale de certains films, il faut avoir vu tous les films, 13 au total quand même. Et en plus, maintenant, il y a un peu des séries qui ont un rapport avec l'histoire. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et malheureusement, je me dis que quelqu'un qui commence, je sais pas, les Marvel avec Civil War, déjà, il va pas comprendre énormément d'où viennent les personnages. Et il y a pas mal de choses qui, si pour ça comme un simple divertissement qui ne se creuse pas la tête, ça peut passer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Clairement, moi, Captain America Winter Soldier, c'est pas le film qui m'a plus marqué. J'avais totalement oublié ce côté-là parce que 13 films, je vais pas retenir tous les films à la minute près. Et clairement, quand Captain America m'a dit oui, enfin m'a dit, quand il a dit oui, j'étais au courant, ça a pas percuté. Clairement, je fais quoi? Et de ce que j'ai vu, je suis pas le seul du tout à pas avoir percuté sur le moment même. Et ça pose un problème. C'est qu'à mon avis, l'histoire s'étend un peu trop. Et en tout cas, un peu trop pour des petits aspects comme ça, parce que ça, c'est le passage que je vous ai cité dans Captain America Winter Soldier, c'est quoi? C'est 10 minutes? 5 minutes peut-être? Il y a trop à retenir, je trouve. Sinon, il y a quelques facilités scénaristiques. Alors, il y en a toujours dans ce genre de film, et voilà, on peut quand même les accepter la plupart du temps, mais là, c'est vraiment pas expliqué. Et par exemple, je ne comprends pas pourquoi Howard Stark avait des échantillons pour créer des soldats d'hiver. Pourquoi c'était lui qui était en possession de ça? Alors peut-être que la réponse est dans une des séries, j'en sais rien du tout, peut-être que c'est dans Agent Carter, je sais pas, j'en sais rien, mais le fait est que si regarder tous les films ne suffit pas à comprendre ça, ça commence à poser problème quoi. Après il y a d'autres petits soucis, je pense notamment dans la scène de l'attentat, ça c'est un truc qui m'a frappé, faudrait que je le revoie vraiment pour voir si c'est vraiment un problème ou quoi, mais il y a l'attentat, on voit Captain America qui voit ça carrément au bout du monde sur un écran, sur une télé, il appelle la meuf noire pour savoir si ça va et tout. Il y a un petit délai, c'est-à-dire que on voit l'après-attentat, c'est-à-dire avec les secours dans tous les sens, la veuve noire qui parle avec Black Panther et tout, sur ce qui s'est passé, mais vraiment c'est peut-être, je sais pas, aller une heure après l'attentat. Et Captain America est sur les lieux, alors qu'il était à l'autre bout du monde avant le coup de fil. Je veux bien qu'il court vite, mais le fait est qu'il était avec une personne qui est tout à fait normale, qui n'est pas une augmentée, donc ils ont peut-être des vaisseaux très rapides. Mais ça fait un peu une téléportation assez bizarre quand même. Ça passe très vite, c'est pas le problème, mais je pense que c'est le problème d'une scène coupée. Ça, clairement, c'est la production qui a dit non, mais pas cette scène-là. Et du coup, ça peut-être que ça crée une sorte de faux raccord. Mais finalement, le seul défaut qui m'est vraiment gêné, c'est la fin. Que je trouve déjà trop précipitée. Donc l'après-combat, c'est-à-dire l'après-combat entre Iron Man et Bucky et Captain America, c'est rushé en fait. Tout se résout par une lettre. Grosso merdo, Iron Man et Captain America repartent de chacun de leur côté. Et Captain America finalement envoie une lettre avec un téléphone pour que Iron Man puisse se joindre en lui disant que ok, ils ont des différends, que Avengers finalement c'était plus la famille d'Iron Man que la sienne, mais que à tout moment, si Iron Man a besoin d'eux, ils peuvent appeler. Du coup, une de mes attentes n'est pas respectée, c'est-à-dire que moi je voulais qu'il y ait un avant et un après Civil War. Le fait est que du coup je vois très bien la scène pour Avengers Infinity War. Iron Man va passer un coup de fil et Captain America et tous ses potes vont débarquer et c'est peut-être un peu trop simple en fait. Il y a vraiment une facilité là-dessus, ça qui me dérange un peu. Notamment à la fin on parle absolument pas plus des traités de Sokovie, vraiment je vous dis, les traités de Sokovie c'est le début du film et après c'est Bucky. Ouais mais c'est qu'une partie du problème en fait, et la lettre pour moi est une erreur. Puisque je pense que si réconciliation il y a, clairement ça doit se faire dans un autre film que Civil War. Civil War aurait dû se terminer sur une mésentente totale. Surtout qu'à la fin, alors il y a un autre méchant, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas que Captain America et Iron Man. Alors, principalement c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas encore vu Batman vs Superman, mais je sais que Batman vs Superman, ce qui a déplu à pas mal de personnes, c'est que finalement c'est 40 minutes du film Batman vs Superman, peut-être même un peu moins. Là, tout le film c'est quand même Captain America et Iron Man, mais il y a quelqu'un derrière ça en fait. Une victime justement, qui a perdu toute sa famille dans l'action qui s'est passée en Sokovie. Donc ce côté-là est très bien géré, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, ce personnage donc, est capturé et il y a Martin Freeman. Alors j'étais très étonné de le voir dans ce film. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Bilbo Sacquet. Qui a d'ailleurs un petit rôle de rien du tout. Donc je pense que tu prends pas un acteur pareil pour un petit rôle comme ça. Je pense que c'est un rôle qui va être développé dans d'autres Marvel. Mais qui lui dit finalement, t'as fait ça pour rien. Et
Le mec lui, le regarde et dit, mais t'es sûr que j'ai vraiment fait ça pour rien? Ben en fait, j'ai envie de te dire que oui. C'est-à-dire que oui, ok, les Avengers sont temporairement divisés, mais en fait, au moindre souci de taille, il suffit d'un coup de fil et ils vont se battre ensemble. Donc j'ai un peu du mal à me dire, ouais, effectivement, t'as vraiment foutu la merde. T'as foutu la merde pendant un temps, c'est vrai, mais pas plus que ça, quoi. Clairement, finalement, je suis tenté de dire qu'effectivement, t'as fait ça pour rien. Alors je pense qu'on va terminer sur ce point-là. Finalement, les enjeux de Civil War, même si ça commence très bien, ils sont palpables, ne vont pas jusqu'au bout. On est quand même en présence d'une sacrée happy end, hein, où finalement on est fâché mais pas trop. Il n'y a pas une mort. Hein, alors ce qu'on voit dans la bande-annonce, Rhodes, il est juste. Alors, juste. Effectivement, c'est grave, mais il est paralysé. Encore que Iron Man, on le voit déjà à la fin créer une armure pour lui pour qu'il puisse marcher. Donc finalement, les conséquences de ce Civil War. J'ai un peu du mal à les voir en fait. Oui, ils sont séparés temporairement, mais c'est pas plus que ça, il n'y a pas une mort. Alors je suis pas du genre à vouloir des morts à tout prix, mais si on veut nous faire croire un truc épique, un truc vraiment qui a des conséquences, il faut que ça ait des conséquences. Et là, c'est juste que Iron Man et Captain America vont pas dormir dans la même chambre, quoi. Mais c'est tout, enfin, concrètement, il n'y a pas de grosse différence, quoi. Il n'y a pas vraiment d'avant et d'après Civil War. Faut voir comment ça va être traité dans les autres films. Parce que là, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Faut prendre Marvel comme une saga, donc peut-être qu'on verra plus facilement les conséquences de Civil War dans d'autres films. Après tout, c'est vrai qu'on a vu plus les conséquences sur Tony Stark que d'Avengers dans son film à lui, donc à voir. Mais c'est vrai qu'en termes d'enjeux, c'est mieux que la phase 2, clairement, parce qu'il y a quand même des enjeux, mais ça va pas au bout. Ça va. Connaissant. Après, je me suis renseigné sur le matériel de base, donc effectivement, ça n'a rien à voir par rapport aux comics, mais. Le comics c'est un peu plus dramatique quand même dans un sens. Là, bof, on s'est foutu sur la gueule, c'était une dispute entre frères et sœurs, quoi, mais pas plus que ça. Donc à voir comment ça va être traité, mais c'est vrai que si vous attendiez un avant et un après Civil War, qui est vraiment une rupture avec Civil War, vous allez être déçu. Clairement, parce que pour moi, cet aspect de la lettre de Captain America à la fin, déjà enlève tout. Il n'y a plus vraiment d'animosité entre eux. Bon, après, Iron Man a surtout de l'animosité contre Bucky, puisque forcément, Bucky a tué ses parents, donc voilà. Mais il n'y a plus vraiment d'animosité entre eux, en fait. Je pense que les deux ont compris qu'ils ont fait des erreurs. Et du coup, bon, au moindre pépin, ils combattront ensemble sans souci. Et il n'y a pas une mort. Et bah du coup, ok, Rhodes est paraplégique. Encore qu'il va encore fonctionner. Il va quand même marcher avec une armure. Donc finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Contrairement à ce que ça... Comparé à ce que ça aurait pu être, en fait, clairement, parce que Rhodes fait une chute d'une centaine de mètres en ayant été touché par accident, d'ailleurs, par un rayon de vision, donc. Bon, bah, un paralysé sur 12 combattants, quand on voit la violence de certains combats, je pense qu'on peut s'estimer heureux, quoi. Et, pour terminer, comme promis sur les bons points, le combat de fin entre Captain America, Iron Man et Bucky est vraiment bon. Il est bon parce qu'il y a une intensité dans le combat. Tony Stark a totalement pété un câble à partir du moment où il a vu que c'était Bucky qui avait tué ses parents. Il pète un câble, vraiment il est inarrêtable. C'est Iron Man comme vous ne l'avez jamais vu en fait. C'est vraiment, il veut tuer Bucky. Il veut vraiment le tuer, c'est pas l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire, non, il veut le tuer. Et Captain America se dresse entre lui et Bucky, donc forcément Captain America en prend plein la gueule aussi. Le combat est assez violent, enfin attention, c'est plus les coups qui sont violents. Il n'y a pas du sang partout ou quoi que ce soit, mais on sent que les coups... C'est-à-dire que dans la scène de combat de l'aéroport, comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment envie de se battre. C'est-à-dire que même il y a même une remarque là-dessus entre la Veuve Noire et Hawkeye, comme quoi ils retiennent leurs coups un peu. Là, vers la fin, on n'a pas ce côté « je retiens mes coups hein. ». Clairement, ça bastonne sévère. Clairement, Captain America aurait pu tuer Iron Man, il ne le fait pas, il choisit de ne pas le faire. Je sais pas si Iron Man aurait cette présence d'esprit, honnêtement. Mais le combat est vraiment, vraiment bon. Il est plutôt bien filmé. Alors, l'endroit est sombre, certes. C'est vrai que l'environnement du combat est pas ouf. Parce que c'est une petite pièce assez sombre, finalement. Voilà. Mais il y a des très beaux plans, je trouve. Notamment le plan iconique de Civil War. C'est-à-dire Captain America qui brandit son bouclier. Et Iron Man qui envoie un rayon dessus. Du coup, ça ricoche. Ça fait un bel effet de lumière. Il y a un petit slow motion sur cette action. Ça rend très bien. Mais clairement, ce combat de fin est vraiment excellent. Et il arrive à être excellent alors qu'il nous...
ils nous font croire totalement autre chose en fait avant ça. Car l'un des petits enjeux de ce film, c'est qu'on apprend qu'il y a plusieurs Winter Soldier, que Bucky n'est pas le seul et que c'est loin d'être le plus dangereux. Donc lorsqu'on se dirige vers cet endroit qui va servir de niveau final, on va dire, un combat de boss, on s'attend à un combat vraiment épique contre 5 Winter Soldier vraiment très puissants. Et en fait, on apprend que Zemo, donc Zemo c'est la personne, le méchant, on va dire, la personne qui sert de méchant, qui a manipulé Iron Man et Captain America pour les monter l'un contre l'autre, c'est la personne qui a perdu toute sa famille dans une ville voisine de Sokovie. Et en fait, on arrive dans cette salle, il est derrière une baie vitrée super résistante, puisqu'il n'y a pas moyen de l'abîmer. Et en fait, on apprend qu'il a tué tous les Winter Soldiers dans leur sommeil. Ça me fait penser un peu à Iron Man 3, où on vous montre le mandarin comme un ennemi hyper puissant, hyper classe et tout, le pire ennemi d'Iron Man. Et finalement, c'est juste un acteur en fait. Le mandarin n'existe pas vraiment. D'ailleurs, ça avait beaucoup déplu aux fans des comics, je crois. Et ben là, il y a un peu le même système de déception, c'est-à-dire qu'on s'attend à un combat épique entre Captain America, Bucky, Iron Man contre les Winter Soldier et Zemo. Et en fait, non. On arrive. Les Winter Soldier sont morts, ils ont été tués par Zemo. Zemo est de l'autre côté d'une vitre, il ne participe absolument pas au combat. Zemo montre la vidéo où on voit Bucky tuer les parents de Tony Stark. Alors ça c'est pareil, c'est une petite facilité scénaristique parce que comme par hasard, l'endroit du crash de... l'endroit de l'accident de voiture provoqué par Bucky pour tuer Tony Stark, pour tuer Howard Stark, je m'y perds en force. C'est un endroit où il y a une caméra de sécurité, sachant que ça se passe en 1991, je pense pas que les caméras de sécurité étaient aussi répandues qu'à l'heure actuelle. Il y a des facilités dans le genre où théoriquement une caméra de sécurité s'est pris vers le haut comme ça, et là on voit très bien ce qui se passe à ras du sol, c'est-à-dire qu'on voit Bucky tuer Tony Stark, Howard Stark, donc le père de Tony. On n'est pas censé le voir théoriquement via une caméra de sécurité, on voit que sa mort est relativement violente quand même. Et on le voit étrangler la mère de Tony Stark, mais pareil, avec une vue caméra de surveillance, on n'est pas censé voir tout ça. C'est une petite facilité, ça passe honnêtement, ça passe. Ce qui passe moins, selon moi, c'est que Zemo a attendu tout ce temps pour montrer ça. Finalement, si son but était vraiment de semer la discorde entre Captain America et Iron Man, bah, plutôt que faire des attentats dans tous les sens, il suffisait juste, je pense, qu'il montre la vidéo à Iron Man directement. Parce que Iron Man est dans un état après avoir vu la vidéo incroyable, donc le plan de Zemo est assez bizarre. Alors apparemment dans le comic c'est pas du tout un mec lambda, c'est quand même un méchant. Là on a vraiment affaire à une... plus pour moi j'ai du mal à le comparer comme un méchant dans le film. Il sert d'antagoniste, certes, mais c'est une victime en fait. Il a perdu toute sa famille, ses enfants, ses parents, sa femme pendant l'accident de Sokovie. On peut comprendre qu'il est un peu la rage contre les Avengers, c'était exactement le même principe que les Maximoff dans Avengers 2, donc j'ai du mal à le prendre pour un méchant, en tout cas dans ce film-là. Et enfin, pour les scènes post-génériques, alors apparemment il y en avait deux, de ce que j'ai compris, alors moi j'en ai regardé qu'une, alors je suis désolé, au moins pour moi il y a une scène post-générique, si on s'amuse à en mettre deux. Bon voilà, apparemment il y a celle que j'ai vue, donc qui prépare le film de Black Panther, donc à la fin en fait Bucky, ça pareil c'est un truc qui nique un peu les enjeux civils selon moi, c'est qu'à la fin Bucky décide lui-même de se... cryogénisé, parce que pour lui c'est encore un danger en fait, il dit lui-même je suis limite une bombe à retardement. Du coup en fait pourquoi tu t'es pas rendu directement en fait, je pense que si tu t'étais rendu à Tony Stark et tout, tu t'aurais pas tué. Après bon le gouvernement c'est peut-être autre chose, mais c'est vrai que finalement s'être battu autant pour que ton pote se cryogénise tout seul, putain tu fais chier mec, franchement tout ça pour ça, voilà. Donc et en gros c'est Black Panther qui va le garder. Donc il y a une seconde base Avengers, on va dire, les Avengers de Tony Stark et ce qui reste de Captain America. Donc ça prépare clairement le film Black Panther, parce qu'apparemment le film Black Panther va être basé, en tout cas du peu qu'on en a entendu, hein, va être basé sur le fait que des gens vont vouloir récupérer Bucky, et lui va le défendre, pourquoi pas. Et apparemment une autre scène post-générique qui prépare le film de Spider-Man. Alors pour le coup je pourrais pas vous en parler parce que je l'ai pas vu. C'est vrai que quand j'ai vu la première scène post-générique, je me suis dit c'est bon, on y va. C'est vrai qu'elle est arrivée plus tôt que d'habitude, donc j'aurais dû me méfier. Bon voilà, apparemment ça prépare le film Spider-Man. Donc pour conclure, qu'en est-il de ces Captain America Civil War? Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi on a mis Captain America dans le titre, hein. Civil War ou Avengers 2.5 serait très bien suffi.
Mais c'est du très bon, la phase 3 commence très bien. Alors après, je relativise quand même parce que c'est pas un standalone. C'est-à-dire que pour moi, Civil War, c'est un mini Avengers. En tout cas, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de héros, on les regroupe dans le même film. Ça veut pas dire que les standalones de la phase 3 sont forcément meilleurs que la phase 2. Donc je me méfie, mais en tout cas, ça donne envie, clairement, de voir la suite, ce qui n'était pas le cas de la phase 2, selon moi. Là, clairement, la phase 3 commence bien. Le film n'est pas parfait, il a quand même, comme je l'ai dit, pas mal de défauts, mais rien qui vous fasse sortir du film. Donc voilà, c'était vraiment... Moi, j'ai passé un bon moment. Je crois que le prochain Marvel, c'est Doctor Strange. Alors, il y a une hype incroyable autour de ce personnage, autour de la bande-annonce, que je ne comprends pas, que le noob de comics ne comprend pas. Je dis pas que ça n'a pas l'air sympa, hein, mais je comprends pas pourquoi spécialement ce personnage a une hype comme ça sur lui. Je vois pas ce qu'il y a spécialement de spécial, mais spécialement de spécial, d'accord, très bien. Donc voilà, à voir, je dirais. Je suis pas spécialement hypé plus que ça pour Doctor Strange, mais à voir. Donc, pour conclure, je valide totalement Captain America Civil War. Je vous conseille vivement d'aller le voir si vous voulez vous faire votre propre avis. Salut à tous.